We are going to pray the Lord. To speak to us this morning. Qu'il soit dans sa présence. That you may be in his presence this morning. Parce que dans sa présence, in his presence, tu ne manqueras de rien. You shall not lack of nothing. Dis un mot. Say a word. Prie au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Seigneur éternel. Demandant ta présence. Que nous soyons dans ta présence. Il est écrit, si tu étais présent, toutes ces choses ne pouvaient jamais arriver. Cela veut dire tout simplement que ta présence sera la victoire du peuple. Présence ce matin, c'est la solution à tous les problèmes de ton peuple. Sois présent tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous remercions le Seigneur. We thank the Lord once again this morning. Pour sa présence ce matin. For his presence this morning. Vous savez, la présence du Seigneur, c'est sans. You know, we can always feel the presence of the Lord. Et nous sentons sa présence ce matin. And we do feel his presence this morning. Nous devons toujours désirer sa présence. We should always desire his presence in our lives. Always. L'une des sœurs de Lazare dira. One of the sisters of Lazarus said, Seigneur, si tu étais présent, Lord, if you were present, toutes ces choses ne pouvaient jamais arriver. My brother wouldn't die. Et nous croyons que sa présence, we do believe that his presence, c'est la victoire du peuple. It's the victory of the people. Sans plus tarder, without delay, we have to take our scripture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2. We are in the book of Isaiah, chapter 2. Le verset 12 au 15e verset. Verse 12 to 15. Un frère peut nous aider pour la lecture. Brother can help us to read. Ésaïe, chapitre 2, le verset 12 à 15. Isaiah, chapter 2, verse 12 to 15. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées. Ok, que le Seigneur bénisse la lecture et l'entendement de chacun. May the Lord bless the reading of His word. You may be seated. Nous allons respecter l'heure. We are going to respect the time. Et serons brefs par rapport à la parole. We will be very brief in relation to the word. Parce que nous avons aussi la charge de prier pour le peuple. We have the burden to pray for the people. Par la grâce de Dieu, by the grace of God, nous sommes en train de parler sur la chute de la tour. We are actually talking about the fall of the tower. Nous disons que le Seigneur ne peut pas envoyer seulement un message comme ça. We do believe that the Lord God can't just send a message just like that. Lorsque le Seigneur envoie un message, when the Lord God sends a message, comprenez que derrière ce message, il vise un objectif. There is a goal behind that message. Et moi, je crois que l'objectif visé dans ta vie, and the goal targeted in your life, est que toutes les tours élevées doivent être, all the high towers in your life will be brought down.
Et tu dois croire à ça. And you got to believe in that. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. If you do, you shall see the glory of God. Nous disons que ce n'est pas pour demain. It's not for tomorrow. Ou pour ce soir. Or for tonight. Mais c'est pour maintenant. But it's for now. Voilà. Par définition. By definition. Parce que nous avons défini la tour. We did define the tower yesterday. Nous avons dit ceci. Here's what we said. Selon les Écritures. According to the Scriptures. Ou en rapport avec l'Écriture. Or in relation to the Scriptures. La tour parle de la haute montagne. The tower speaks about a high mountain. La tour représente aussi la muraille fortifiée. The tower represents a fortified wall. Et la tour, c'est un homme qui est élevé. And the tower is a man who has been lifted up. Voilà pourquoi par rapport à cela, that is why basing ourselves upon these scriptures. Nous avons dit lorsque nous voyons une tour dans les Écritures. Whenever we see a tower in the scriptures, comme la tour de Babel, just like the Babel Tower, de Genèse chapitre 11, Babel Tower in the book of Genesis 11, cette tour représente la même réalité avec la muraille fortifiée de Jéricho. So that tower represents the same thing with the fortified wall of Jericho. Et cette même tour parle aussi de l'homme élevé comme Goliath. And that tower speaks about the man who has been lifted up, just like Goliath. It's the same thing. Et cette tour aussi, c'est la statue de Nebuchadnezzar de Daniel chapitre 2. And the same tower represents the statue of Nebuchadnezzar in Daniel chapter 2. Oh, on peut ajouter aussi. And we may add as well. C'est l'arbre qui est élevé dans le livre de Daniel chapitre 4. It's a tree that has been lifted up in the book of Daniel chapter 4. Maintenant, en parlant de la chute de la tour. So talking about the fall of the tower. C'est question seulement de comprendre. We all have to understand. Comment est-ce que la tour de Genèse chapitre 11 avait chuté? How the way the tower of Genesis 11 fell? Et comment est-ce que Dieu a aplani la muraille de Jéricho? And how the Lord God brought down the walls of Jericho? Et comment est-ce que Goliath était tombé devant David? And the way Goliath fell before David. Et aussi comment la statue de Nebuchadnezzar a été aplanie. And also the way the statue of Nebuchadnezzar was brought down. Et si nous comprenons toutes ces choses, so if you do understand all them things, directement nous avons la réponse sur la chute de la tour. We will have the answer about the collapsing of the tower. Maintenant, regardons un peu. Now notice. Avant d'avancer, before we may go forward, je suis quelque part, je suis dans le livre de Juges chapitre 16. I am in the book of Judges chapter 16. Là, je vois un homme qui est Samson. I can see a man called Samson. Samson était un Nazirien. Samson was a Nazarene. Il avait beaucoup de cheveux avec 7 tresses. He had a lot of hair with 7 dreads. Ça, ce n'était pas un hasard. It wasn't by chance. Parce que sa force était cachée dans ces tresses-là. Because his strength, his power was hidden in those dreads. Mais qu'est-ce qu'on va remarquer? What shall we notice here? Samson qui avait ses 7 tresses. Samson who had his 7 locks or the 7 dreads. Devait devenir faible. Had to become weak. Et donner ses 7 tresses à la femme. And to give the 7 dreads to the woman. Or, ces 7 tresses, c'était la force de Samson. The 7 dreads represented the strength of Samson. Vous savez, par rapport à l'animal à cornes. In relation to the horned animals. Là, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 21, verset 35. Exodus chapter 21, verse 35. La force de l'animal à cornes, c'est sa corne. The power of an animal having horn. I mean, the power of the animal is on his horn. En d'autres termes, les 7 tresses de Samson, c'était aussi l'image comme des 7 cornes. So, in other words, the 7 dreads or the locks of Samson is also the image of the horns. Et c'était sa force. That was his strength. Bon, pourquoi le chiffre 7? Why the number 7? Parce que dans les Écritures, because in the scriptures, le chiffre 7, c'est aussi un chiffre de la totalité. The number 7 is the number of completeness. Là, je suis dans le livre de Proverbes, chapitre 6. Proverbs chapter 6. Le verset
30 à 31. Verse 30 to 31. En d'autres termes, avec cette tresse, in other words, based on seven, the seven threads, qui était de sept, l'image de sept cornes, which is the image of the seven horns, c'était la totalité du pouvoir ou de la force, was the completeness of the power, pour accompagner une écriture qui dit, in order to accompany the scripture that says, toute autorité et tout pouvoir m'a été donné. Every authority and power has been given to us. Mais il devait devenir faible. He had to become weak. Pour donner cette autorité et ce pouvoir à une femme. To give that power and authority to a woman. Aujourd'hui, cette femme qui est l'image de l'Église. Today, that woman is the image of the church. Parce que le véritable Samson, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Because the genuine Samson is the Lord Jesus Christ. Qui est venu avec la totalité de la force. Came with the completeness of the power. La totalité du pouvoir. Came with the completeness of the power. Mais il est devenu faible à la croix. But he made himself weak on the cross. Pour nous donner ce pouvoir. That he may give you that power. Et pour nous donner cette autorité. And to give us that authority. Et aujourd'hui, le pouvoir et la force de Jésus. Today the strength and the power of Jesus. Se manifeste par l'Église. Being manifested through the church. C'est-à-dire la véritable Église. The genuine church. Va dégager la puissance de Jésus. Has to unleash the power of Jesus. La vraie Église. The true church. Va dégager la force de Jésus. Has to unleash the power of Jesus. Exactement. Muto ayaka kaka awa yaka na ma problem azonga kana ma problem. It's not just some people may come with problem. Muto ayaka kaka awa azonga kana ma complication sur complication. Come the same way you came, the same way you're going back. Malade sur malade. Sickness after sickness. Soki ba problem ezana kati na ndeko. If there is a problem, il y a des difficultés, il y a des maladies. There are many diseases, sickness, and difficulties. Nous nous croyons que aujourd'hui c'est l'Église qui détient la force de Jésus. We do believe that the church is the one keeping the power of Jesus. Il faut tout oublier Nzambe. We need to bow to God. Jusqu'à ce que Nzambe réponde bien. Until He answers us. Madame Paul a zala ki na problème ou to bengi le shard. When Paul had a problem. Ezala ki kun ki tendenge ba tumusu sobarubaka. He wasn't bent the way other people say. Parce que Paul fut un pharisien. But Paul was a Pharisee. Et pour être un pharisien, en tout cas, il faut être d'abord par rapport au corps qui doit être sans défaut. To be a Pharisee, base yourself in the body. Il souffrait les yeux. He had some eyes issues. A tungisa ki nzambe pour un problème na yo. Prayed a lot to God about his problem. Jusqu'à ce que nzambe ait dit que ma grâce est suffisante. Until God told him, my grace is sufficient. Mais qu'est-ce que tu étais concernant ton problème? But what did God say in relation to your problem? Est-ce que tu dis ça déjà? Did you bow to God? Nzambe ait dit sur lui. What did he tell you? Il faut tourmenter Dieu. You need to bow to God. Jusqu'à ce que Dieu te dise quelque chose. Until he said something to you. Nzambe ait dit sur le comoko. If he tells you something, then your heart will be at peace. Mais tant que Dieu n'a jamais dit quelque chose sur toi. As long as he hasn't said anything par rapport about à ton problème de difficulté. Your sickness and trouble. Don't you get disheartened. Keep on suffering. Until the Lord will speak the word in your life. Voilà un peu ce que je voulais d'abord t'exhorter. So that's what I wanted to tell you in brief. Alors, qu'est-ce que nous avons dit concernant la chute de la tour? What did we say about the fall of the tower? Nous avons comparé la tour à la muraille fortifiée. We did compare the tower to this fortified wall. C'est-à-dire là, je suis dans le livre de Josué chapitre 6. Here I'm in the book of Joshua chapter 6. Ici, on parle de la muraille de Jéricho. We've been told about the wall of Jericho. C'est une muraille fortifiée. It's a fortified wall. Par rapport à Ésaïe chapitre 2. Relation to Isaiah chapter 2. Le verset 12 à 15. Verse 12 to 15. Cette muraille, c'est aussi une tour. That wall is also a tower. Maintenant, nous allons comprendre comment est-ce que le Seigneur est parvenu à la chute de cette tour qui est cette muraille fortifiée. So we understand the way the Lord God brought the tower down. En lisant cette écriture de Josué chapitre 6. By reading Joshua chapter 6. Nous allons remarquer pour que cette tour, cette muraille soit écroulée. For the wall to be collapsed. For the wall to collapse. Ok, on donnera sept trompettes aux sept sacrificateurs. Seven trumpets were given to the seven priests. On a donné sept trompettes aux sept sacrificateurs. Seven trumpets were given to seven priests. Mais une précision. La trompette qu'on donnera ici aux sept sacrificateurs, the trumpet that will be given to the seven priests, c'était une trompette
qu'on appelle la corne. It's a trumpet which we call the horn. Ce n'était pas une trompette d'argent. It wasn't a silver trumpet. On dit tout simplement dans les Écritures. So in the scriptures, corne égale aussi trompette. Horns equals to trumpets. Souviens-moi très bien. Follow me closely here. Corne égale trompette. The horns also represent a trumpet. Parce que dans Josué chapitre 6, because in Joshua chapter 6, la trompette qu'ils ont sonné ici, c'était une corne. The trumpet that they blew was horns. Mais l'objectif de cette trompette, but the goal of those trumpets, c'était pour écrouler la muraille fortifiée qui est aussi l'image de la tour. Et nous précisons que cette trompette c'était la corne. So that trumpet was the horn. Et voilà pourquoi nous disons que corne égale trompette. That's the reason why we are saying that the horn. C'est pourquoi même dans les livres d'Apocalypse chapitre 5. That is why in the book of Revelation chapter 5. Le verset 6 à 7. Verse 6 to 7. Vous remarquerez un agneau avec sept cornes. You shall notice there was a lamb with seven horns. Cet agneau qui était digne d'ouvrir les livres. That lamb who was worthy to open the book. Et cet agneau est entré dans les lieux très saints comme nous avons dit la fois passée. And that lamb went inside the most holy place just the way. Comme le souverain sacrificateur qui devait traverser les cieux. Just like the high priest who had to cross the heaven. Mais non avec le sang des animaux. Not with the blood of the animals. Mais comme l'agneau était immolé. But since the lamb was slain. Il devait entrer avec son propre sang. He has to go in with his own blood. Pour ouvrir le chemin qui était fermé. In order to open the way that was closed. Et là nous avons exhorté le peuple. And we did exhort the people. Si le Seigneur était capable avec son propre sang. If the Lord God was able with his own blood. Comme souverain sacrificateur. As a high priest. Et non selon l'ordre d'Aaron. And not according to the order of Aaron. Mais selon l'ordre de Melchizedek. According to the order of Melchizedek. C'est-à-dire le roi sacrificateur. The king priest. C'est pourquoi il a été identifié au lion. That is why he was identified. Devenir le roi. He was a king and been identified. Il était un roi sacrificateur qui devait traverser le ciel. Who has to cross the heavens. Pour ouvrir les chemins. Équilibrer la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommé. Chacun a nommé. Chacun a nommé. Chacun a nommé.